la pédale, on doit le verser. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est Catatrac? És una companyia d'art de carrer i va començar fa 10 anys i treballem tres eixos, el joc, el reciclatge i la creativitat. Quel est le rapport avec le vélo? És molt clar que és perquè molts del material recuperat que utilitzem és justament la bicicleta. Oui, parce que le material de recuperación qu'on utilise pour le jet, il y a beaucoup qui sont des vélos qu'on a jetés à la déchetterie, et alors la récupération est PDG avec le vélo. On est pour la réutilisation des vélos, d'ailleurs il y a un atelier aussi qui va réparer les vélos pendant la fête du vélo. Et cette idée de récupérer les choses, ça fait longtemps que tu as cette idée, ce projet Si. Realment primer simplement era reduir el residu, però jo quan vaig començar a treballar això i tenir un taller va ser un canvi radical de veure que el residu podia ser un recurs. Això transforma totalment la teva manera de veure el món i et dona justament recursos i canviar moltes coses. La primera idea és de la reducció de tot com deixat. Mais après, dans l'atelier, en travaillant, on se rend compte de tout ce que les choses de déchetterie peuvent donner à la création, pour voir aussi un autre regard sur le monde. Alors c'est un regard d'ailleurs que les enfants qui utilisent ces objets peuvent avoir, mais aussi les adultes, hein, parce que j'ai vu beaucoup de gens jouer avec tes installations. Sí, a més, hi ha un tema important que és reivindicar el joc com a un element bàsic de la vida i que no només és per l'aprenentatge, sinó que forma part de tota la nostra vida, tot al llarg de la vida. La DGA doit faire partie de toute la vie. Et aussi avec les jets pour tous les âges, il y a aussi une façon de cohésion sociale de les différentes générations. Et c'est surtout la réindication de les jets comme élément important de la vie de l'apprentissage de tous les âges. C'est la première fois que tu viens à Pau, je pense. Oui, si, si. et dans quel pays tu as déjà installé tes jeux qu'on a vus ici à Pau? Vam començar a la Catalunya i després ràpidament a l'Europa i hem sortit algunes vegades a la Xina, a Taiwan, dues vegades, i també a la Costa Rica. Je sais pas si tu as fait des études d'ethnographie ou de sociologie, mais tu vois les différences, comment les gens réagissent par rapport à tes installations? Sí. Encara que no vulguis, és normal que vegis les diferències i les valoris, però en general és curiós perquè veus que la sensibilitat de la transformació del rebuig amb coses creatives és mundial, no? O sigui, no hi ha... És més, depèn de les persones, però a llocs molt diferents podem arribar a compartir aquesta sensibilitat. Il y a surtout la sensibilité pour récupérer les déchets. Les déchets sont générales dans tout le monde. C'est la première chose qu'il y a. Il y a sensibilité différente, mais c'est une chose qui réunit tout le monde. No? Sí, enllaçant amb això, crec que la recuperació és una cosa ancestral, o sigui, que ve de més enllà i sempre s'havia fet i potser en aquesta última part de la història ens hem desenllaçat d'aquest reutilitzar d'aquesta economia circular, no? Uh-huh. I ara com la recuperem? Oui, bueno, c'est ça. La réutilisation des déchets, c'est toujours dans toute l'histoire de l'humanité a fonctionné, mais c'est les dernières années qu'on l'a laissé. Et maintenant, il y a une force de récupération de l'économie circulaire et de tout ce qu'ont fait tous nos ancêtres et que nous avons laissé perdre. Et alors, et dans le futur, quels sont les autres projets, quelles sont les idées que vous avez pour Catatrac? És millor pensar bones estratègies que arribin a la població, no pas molts de diners, és la feina que tenim, no? I suposo que amb el nostre treball donem un exemple més de que el canvi aquest és possible i que aporta coses, no? C'est mieux penser une petite stratégie qui touche la persona individualment que no pas de grand projet national o supranacional.
parce que les petits stratégies sont mis avec l'exemple de Katakrak. C'est vrai que la personne peut penser, peut réfléchir, comme votre association, c'est la même chose. No? Ampliar el joc per als més petitons, oui. Ara que tenim la petita. El jeu pour les petits enfants, que n'hi ha pas beaucoup de compagnies qui fait jeu pour enfants de 0 à 3 ans, par exemple. Et c'est très intéressant pour voir comment il réagit avec des petits trucs. Bon, mais on espère que à travers ces jeux, on pourra aussi pousser les gens à utiliser le vélo dès l'âge de 3 ans. Si, par exemple. Pour avoir beaucoup de gens à vélo dans le monde. Oui, oui. Merci Sandra. À vous. Merci Victor. Merci à vous pour être ici.